O dünyanın en ünlü taksicisi. Öyle olsa da İstanbul'a geldiğinde yine de her İstanbullu gibi taksi beklemek zorunda. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, bize neşe getirdiniz. Teşekkür ederim. Taksi. Là, il te demande pourquoi tu es venu à Istanbul et qu'est-ce que tu as aimé, tu as découvert. On est venu déjà il y a 15 jours et on était avec quelqu'un du ministère du tourisme qui nous a fait la visite puisqu'on ne connaissait pas Istanbul et la Turquie en général. Il nous a un peu raconté l'histoire turque et surtout l'histoire d'Istanbul, d'Atatürk et puis de l'Empire ottoman. Donc c'était super intéressant. Moi qui adore l'histoire et tout ça, donc c'était super intéressant. Puis on a vu des très belles choses, quoi. Ils sont un peu fermés, mais je sais qu'ils me reconnaissent. Mais ils sont un peu ou alors timides ou alors fermés. Mais je sais qu'ils me reconnaissent et puis après il faut que moi aussi je fasse des sourires pour les aider à venir me. Taksi filmiyle tanındı. Nasıl şu anda da taksi bekliyor? Ne hissediyor kendisi? Ben je sais pas, je m'occupe pas trop de la politique en général et des problèmes turcs puisque j'ai déjà beaucoup de problèmes en France. Mais comment dire Bah, je sais pas, il y a des choses à faire parce que les taxis c'est vachement important. Surtout que vous avez une grande ville, 20 millions d'habitants, et les taxis c'est super important pour le tourisme, pour les visites et toutes les belles choses que vous avez à visiter ici à Istanbul en particulier et en Turquie en général. Il faut des taxis. Donc je sais pas c'est quoi le problème, parce que j'ai déjà assez de problèmes encore une fois. Nous en France on a aussi nos problèmes, mais je pense qu'il faut voir ce qui se passe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? I'm ready. Okay, start. Comment tu m'as dit? Comment tu m'as dit? Geliyoruz. Gidiyoruz. Sultan Ahmet. Ne geliyor? Türkiye'de mi araba kullanmak, o film setinde mi, Fransa'da mı, zorlandı? O soruyu sormuştuk ya. Ouais, donc c'est par rapport au film. Vu que tu as fait des déjà conduit des voitures dans le. Est-ce que c'est un problème de conduire en Turquie à Istanbul? Ouais. Non, c'est pas un problème de conduire à Istanbul, à Moscou, en Thaïlande ou à Los Angeles parce que j'aime conduire et même avec 20 millions d'habitants ici à Moscou, à Istanbul. J'ai conduit dans le monde entier. À chaque fois qu'on partait en vacances, j'aime conduire et c'est moi qui conduis tout le monde. Donc c'est pas un problème de conduire ici à Istanbul pour moi. À la fois dans les films ou dans la vie de tous les jours, j'aime conduire. Il y a beaucoup de trafic, mais si vous connaissiez le trafic de Moscou, tu te tirerais les cheveux. Non, je crois pas, non. Non, parce qu'il y a trop d'embouteillages. Yollar çok kirli diyor. İstanbul'un kalabalık caddelerinde yürümek zaten zor. Bir de dünyaca ünlü bir film yıldızı olunca hayranlarınız tarafından da önünüz kesiliyor.